Est-ce que c'est une arnaque ou pas, cette notion de bonheur inconditionnel? Si on pense à l'arnaque, on pense à arnaqueur, on pense à profit. S'il y a une arnaque, il y a quelqu'un qui en profite. Or, là, on est dans l'inconditionnel. L'arnaque, elle est plutôt dans le conditionnel. Si tu veux être heureux, il te faut une voiture, et peut-être une plus grosse voiture que celle de ton voisin. Il te faut ci, il te faut ça, il te faut beaucoup de choses. Il te faut une belle maison, il te faut une belle femme ou un bel homme. Il te faut des éléments, tu crois qu'il te faut des éléments pour être heureux. Et là, il y a un mensonge, en fait. Il y a un mensonge. Et il y a cette ignorance du bonheur inconditionnel, peut-être bien qu'elle est entretenue, parce qu'elle n'arrange pas les affaires de ce monde, elle n'arrange pas l'économie. Toute l'économie est basée sur le besoin. On est allé même jusqu'à chercher à créer le besoin. Ça va tout à fait à l'encontre de cet équilibre, on va dire, naturel de l'homme, qui est le bonheur inconditionnel.